Salut à toutes et salut à tous les amis, c'est Volphegon et on se retrouve pour une deuxième vidéo de précision en fait sur la Snapshot 12W36A en vue de la sortie de la Scary Update 1.4 pour Minecraft. On va tout d'abord parler du bloc Beacon, vous savez ce fameux Work in Progress bloc que je prends, voilà, que je tiens dans mes mains, qui n'est pas un bloc de déco à proprement parler, qui est surtout un bloc qui va vous conférer des pouvoirs, on va en parler tout de suite. Et je vais également vous parler du Wither, le monstre, le nouveau boss de Minecraft que j'ai essayé d'invoquer dans la première partie, mais j'étais en mode peaceful, donc forcément ça ne fonctionnait pas. Voilà toutes mes excuses pour cette erreur, et on va réparer ça tout de suite. Alors tout d'abord, le beacon, comment ça fonctionne? Je le rappelle, pour le crafter, vous avez besoin de 5 blocs de verre, d'une étoile du Nether et de 3 blocs d'obsidienne pour faire le socle. L'étoile du Nether s'obtient en battant le nouveau boss, donc le Wither. Dès que vous le tuez, vous obtenez une étoile que vous pourrez placer pour crafter votre beacon. Celui-ci, alors, fonctionne sur une pyramide de matériaux précieux. Cette pyramide peut être constituée de 4 types de blocs, à savoir les blocs de diamant, les blocs de fer, les blocs d'émeraude et les blocs d'or. Vous pouvez tout à fait mélanger ces blocs, peu importe. L'important, c'est qu'il y en ait suffisamment, c'est-à-dire, puisqu'il y a 4 types de pyramides différents, vous avez donc des pyramides de base 3 par 3, comme ici. Donc ça, c'est le premier type de pyramide. Le deuxième type, c'est la pyramide de base 5 par 5 avec une base 3 par 3, enfin une couche 3 par 3 posée par-dessus, donc qui est composée de 34 blocs. Le troisième type, eh bien, c'est la pyramide de base 7 par 7 qui fait, si on rajoute la couche 5 par 5 et la couche 3 par 3, un total de 83 blocs. Et enfin, la pyramide la plus grande, c'est la pyramide de base 9 par 9 qui nous fait un total de 164 blocs. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, tout à fait mélanger tous les matériaux, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir une pyramide qui comprend suffisamment de blocs. Donc, pour activer le beacon, vous devez placer votre item sur la pyramide. Celui-ci va se mettre à émettre justement une lumière qui va toucher le ciel et qui va vous conférer, pardon, des pouvoirs. Ces pouvoirs, pour vous les approprier, il vous suffit de faire un clic droit. Bon, décidément, je suis abonné au mauvais temps. Hop. Vous faites un clic droit sur le beacon et vous avez une nouvelle interface. Cette interface vous permettra d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Mais pour cela, vous avez besoin de placer une ressource précieuse pour payer ces pouvoirs. Donc, vous avez un pouvoir primaire, un pouvoir secondaire, enfin, premier pouvoir, deuxième pouvoir. Vous choisissez et vous avez un choix plus ou moins grand en fonction de la taille de votre pyramide. Vous pourrez sélectionner ces deux premiers pouvoirs si vous avez la pyramide de taille 1. La pyramide de taille 2 vous permettra d'avoir d'autres pouvoirs, etc., etc. Je m'apprête donc à payer pour obtenir des pouvoirs. Moi, je souhaite me conférer un pouvoir de force supérieur. Je vais donc appuyer dessus. Et là, j'ai un pouvoir de régénération et un pouvoir de force qui me seront acquis dès l'instant que j'aurai appuyé sur la touche de validation. Hop, voilà. Donc, je m'équipe de ma petite épée et là, j'ai des bulles. Voilà, donc vous le voyez. Hop, j'ai des bulles qui m'entourent. C'est beau, c'est magnifique. Mais surtout, vous voyez qu'il y a un petit compteur ici. Et ce petit compteur va se régénérer automatiquement dès l'instant que je resterai dans mon périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité est défini en fonction de la taille de la pyramide. Si vous avez une pyramide de base 3 par 3, votre pouvoir s'arrêtera au niveau de la ligne dorée. C'est-à-dire que vous allez jusqu'ici, donc ça fait 17 cubes en comptant le beacon. Donc 1, 2, 3, enfin, pardon. Si, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 17. Voilà, hein, j'ai compté jusqu'ici. Là, on est à 10. Hop, 15, 16, 17. Et ligne 18, eh bien ici, il n'y a plus rien. Le pouvoir s'arrête. Si vous avez une pyramide de base 5 par 5, eh bien le pouvoir s'arrête ici, au niveau de la ligne émeraude. Une pyramide de base 7 par 7, ça s'arrête ici, au niveau de la ligne de fer. Et enfin, une pyramide de base 9 par 9, vous avez des pouvoirs jusqu'à la ligne de diamant. Donc on va prendre un peu de hauteur pour vous montrer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est testé et approuvé. Je l'ai fait juste avant, hein, en construisant cette espèce de grand carré. Voici où cela vous mène.
Donc voilà, en ce qui concerne les pouvoirs du beacon, c'est plutôt intéressant. Vous avez différents types de pouvoirs. Vous avez donc le pouvoir de vitesse, le pouvoir de minage, le pouvoir de résistance, le pouvoir des sauts, et enfin le pouvoir de la force qui vous sont attribués, ainsi qu'un pouvoir de régénération instantané. Voilà, enfin, progressif, dirons-nous. Voilà, en ce qui concerne les pouvoirs du beacon. J'espère que cela vous aura été utile. Ensuite, eh bien, nous allons pouvoir enfin invoquer le Wither. Pour cela, je repasse en mode normal. Je fais donc, comme je vous l'avais dit, un petit totem, un petit T avec 4 blocs de Soul Sand. Et ensuite, je place 3 têtes de Wither Skeletons. Et là, vous avez le Wither. Celui-ci apparaît tout petit pour l'instant, et ensuite il va grandir en quelques secondes, il va atteindre sa taille maximale, et il va surtout se régénérer. Impossible de l'attaquer pour le moment. Alors vous voyez qu'il est vraiment méchant avec toute espèce de vie, hein. Il leur envoie des projectiles, les moutons prennent extrêmement cher, c'est maléfique, c'est moche. Et vous avez également remarqué que dès l'instant que j'invoque le Wither, eh bien le ciel s'assombrit. Vous voyez, on a une espèce de petit dégradé ici, le ciel devient violet. Et pour l'instant, il ne m'attaque pas, il s'en prend tout simplement les formes de vie possibles et imaginables. Et dès l'instant que je vais me mettre à le tataner, hop, bah là il va m'en vouloir, forcément. Donc on va essayer de l'attirer. Non, autre chose, tenez. J'aimerais mettre en game mode, bon je vais mourir mais... Hop, en game mode 0, et vous allez voir. Allez, reviens par la porte. Voilà, dès l'instant que je vais me prendre un projectile... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'attaques pas? Attendez, je vais me mettre hop en mode hard, comme ça. Il sera très méchant. En fait, il s'en fout de moi, là, j'ai l'impression. D'accord, je me suis fait tuer, ok super, je me suis fait tuer par un slime, c'était pas du tout le but du jeu. En fait, il a exactement le même pouvoir que le Wither Skeleton. Hop, vas-y, tue-moi. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, hop. Allez. Là, j'ai le pouvoir de régénération, c'est cool, mais si vous pouvez juste me frapper, ça serait cool. Voilà, vous l'avez vu, ma barre est devenue noire. Je possède donc un pouvoir d'empoisonnement, on va dire, ouais, c'est le pouvoir d'empoisonnement de tous les monstres atrophiés, à savoir le Wither Skeleton et le Wither tout court. Puisque quand je dis les monstres atrophiés, c'est tout simple, le monstre atrophié, bah, c'est la traduction française en fait, le Wither. C'est l'atrophié et le squelette atrophié. Et bien voilà, petit tatanage de slime pour le Wither qui se fait plaisir. Et puis nous, bah écoutez, on va se retrouver pour d'autres vidéos. Peut-être que vous souhaitez... Alors attendez, Game Mode 1, hop là. Je vais le tuer pour vous montrer juste une petite chose, c'est qu'il drop bel et bien une étoile du Nether. Youp. Allez, viens par là. Viens par là. Allez. Alors vous voyez également que le Wither se régénère, hein. C'est-à-dire que si vous ne l'affrontez pas pendant un certain temps, il se régénère. Lui, il n'a pas besoin de générateur de vie autour de lui, il se régénère automatiquement. Allez. Hop, donc là il passe en état second, il a une aura autour de lui. Allez, viens par là. Hop. Bon là c'est juste over méga cheaté, hein, god mode plus vol, etc. Voilà, hop là il meurt. Et il a bel et bien droppé, hop, ceci. Voilà, une étoile du Nether. Par contre, il ne drop pas énormément d'expérience. Pourtant, c'est un boss extrêmement difficile à battre. Parce qu'il vous fout des tatanes à tire-larigot quand même. Donc c'est assez difficile de s'en défaire. Faut être bien équipé, une solide armure, de solides outils enchantés pour en venir à vous. Et c'est dommage, il vous donne pas beaucoup d'expérience. Comparé à l'Ender Dragon qui peut vous conférer jusqu'à une centaine de pouvoirs. Une centaine de niveaux, pardon. Et voilà, on a fait le tour. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les prochaines snapshots seront plus courtes. Enfin, les prochaines présentations de snapshots seront plus courtes. Là, c'était vraiment une première tentative, une première approche des snapshots. Merci beaucoup une nouvelle fois de m'avoir suivi. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures minecraftiennes. Salut à tous.